Ce moment est un moment extrêmement important parce qu'il amorce le début d'une nouvelle année. Bien voisin, 2017 approche. Bien aimé, pour 2017, pour ICC Bruxelles, sera une année consacrée, une armée de gagneurs d'âmes qui servent Dieu avec excellence. Le mot d'ordre est clair. J'ai un travail, profession, gagneur d'âme. Le Seigneur veut lever une armée cette année. Raisons pour lesquelles nous devons impérativement devenir une méga église. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait beaucoup d'églises et que ces églises soient remplies et deviennent des très grandes églises. Glorifie Dieu. La louange et l'adoration sont sublimées dans une méga église. C'est plus de personnes qui sont sauvées et c'est plus de vies qui sont transformées. Je dois devenir un gagneur d'âme, pourquoi? Parce que c'est la priorité de Dieu. Une âme sauvée rend le ciel et Dieu joyeux. Alors moi, je veux juste glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je fais partie du ministère de l'intercession, de la dynamique de la prière. Et depuis qu'on a acquis cet espace, nous avons, pour la dynamique de la prière, obtenu un espace de prière propre pour ce programme. Et ça a permis de fidéliser les membres. Avant cela, on n'avait pas notre propre salle de prière. Donc on était obligé de se réunir dans des salles, parfois même à la cafétéria. Mais bon, on avait la foi, on se disait qu'un jour, on aura un espace à nous. Et voilà qui a été fait. Et nous bénissons Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour ce déménagement. Et vraiment, avec ce bâtiment, les trois locaux sont au même endroit. Les parents viennent à un seul endroit, ils déposent les enfants et les enfants sont vraiment épanouis, les moniteurs aussi, on est les uns à côté des autres. Les enfants ont parfois, les tout petits, ils ont parfois des moments où ils se sentent seuls. Et quand on a une grande sœur, un grand frère qui est dans un local juste à côté, on peut emmener le petit pour avoir un petit moment de câlin avec le frère ou la sœur. Les parents viennent, ils prennent le temps de venir déposer les enfants, ils ont un contact visuel de qui sont les moniteurs et au moment où ils repartent aussi, ça permet d'avoir un contact visuel avec les différents moniteurs, d'échanger. Ils ne doivent pas courir parce qu'il y a un enfant qui est à l'autre bout du bâtiment. Ils sont tous au même endroit et ça permet d'échanger, ça permet d'avoir le contact avec les parents. Rien que par cette ambiance, les enfants étaient tellement contents que les parents qui étaient en visite à l'église sont restés parce que les enfants se sentent bien à l'église. Nous rendons grâce à Dieu pour cette formation parce que pour moi c'est une bénédiction. Donc avant j'arrivais pas à pardonner, maintenant je commence à pardonner, j'ai changé le système de pensée. Ça va vraiment nous rendons grâce à Dieu vraiment pour ces moments bloqués car cela nous permet vraiment d'être plus proches des étudiants, d'organiser au mieux aussi les cours 101, 201 et au moins d'être plus accessible en tous les cas pendant les cours, avant les cours. Les étudiants savent où nous trouver. Nous sommes
tout juste au quatrième étage et les cours se donnent au premier étage. Donc c'est pour une raison également de facilité. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Une armée qui sert Dieu avec excellence. Le mot d'ordre est clair. Le département traduction et interprétariat a été une bénédiction certaine pour l'Église. Tous les dimanches, nous avons entre 15 et 20 personnes qui se servent des casques. Le DTI représente un élargissement du vase. Ce département a pris son envol tout au long de cette année 2017 avec 22 formations qui ont été données informatique, bureautique, également aux nouvelles technologies, design, cadrage, montage vidéo. Cette année, nous avons eu 141 personnes qui se sont inscrites à ces formations. Parmi ces participants, nous avons eu également plus ou moins 10-15 personnes qui ne venaient pas du tout de ICC. Ça nous pousse et ça nous encourage, nous, à continuer dans cette lancée, à faire en sorte d'ouvrir nos formations à des personnes ou des membres d'autres églises qui viennent se former. Impact Music Academy, au fait, cette année en 2017, a contribué à la dynamique de gagneurs d'âme. Nous avons attiré à nous en moyenne 40 étudiants plus les 70 étudiants qu'on a pour cette deuxième session, donc 110 étudiants. Quand tu viens à l'académie, nous on ne limite pas en disant il faut être forcément chrétien. Par exemple là, actuellement on a une étudiante passionnée qui est d'origine musulmane. Cette étudiante, tu vois que sa vie commence à changer. J'ai vu des gens qui ne priaient pas, rien que par le fait de commencer à jouer un instrument, commencer à prier. Impact Music Academy a apporté aujourd'hui sur terrain 9 pianistes assistants, des guitaristes, il y en a un. Et puis les enfants, on a formé des batteurs, on a formé des chanteurs. L'église s'est dotée d'une web radio Direct Impact. Il y a principalement pour but d'aller toucher les cœurs à travers le monde, au-delà de nos frontières. Nous avons beaucoup de témoignages des personnes qui ont été touchées au travers des prédications, au travers des émissions qui sont passées. La radio est suivie dans des pays où on ne peut pas s'imaginer, comme l'Ouzbékistan, la Chine, le Japon, l'Arabie Saoudite. Ça montre effectivement qu'il y a un intérêt, vraiment à ce que nous faisons. En 2017, nous avons également eu la grâce d'avoir le lancement officiel de l'application MyICC. Donc une application qui est disponible sur les téléphones. Cette application en fait permet d'avoir accès à vraiment toutes sortes d'informations de l'Église. Nous avons cette semaine à ICC. Cette rubrique en fait rassemble tous les programmes de l'Église et donc les gens sont vraiment informés en temps réel. Dès que nous avons eu le programme des veillées de prière tous les vendredis, nous avons commencé à mettre les points de prière, les sujets de prière de la veillée dans l'application. Cette application est vraiment un outil édifiant et qui permet de vraiment vivre l'Église autrement. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Je répandrai un esprit de grâce et de supplication. Autrement dit, je répandrai sur vous un esprit de prière. Oh, 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 oh
parler du God Talent. Le God Talent était un événement qui a été organisé par la jeunesse pour pouvoir promouvoir des jeunes talents. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues et ces personnes sont restées à l'église. Amen. Deuxièmement, je vais parler de Night of Spirit. Donc, Night of Spirit, c'est des événements qui se passent deux mardis par mois, qui réunit plus de 86 jeunes, des jeunes qui étudient. Après les études, qui viennent ici pour prier, adorer, rendre grâce à Dieu. 30 jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur ici à ICC. 30. Ça fait plus de 2 personnes par mois qui ont accepté le Seigneur, qui sont passées par les eaux du baptême. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Le monde voit la vie en noir et blanc depuis la crise. Pour voir la vie en rose, faut voir la vie en Christ. Tu chercheras un Dieu, mais tu trouveras un Père. Chante avec moi. Yeah, chante avec moi. Cette année, nous avons eu la grâce d'avoir le Summer Jams. Nous sommes rassemblés pour célébrer le Seigneur. Nous avons pu recevoir des personnes qui venaient de France, des personnes qui venaient de tous horizons. La vie dans le Seigneur, ce n'est pas juste le dimanche, c'est toute occasion qui se présente de louer, de célébrer le Seigneur, d'adorer par des concerts, par des moments avec les jeunes et les Summer Jams. Très bien, nous rendons grâce à Dieu pour la retraite que nous avons eue. Cette année, elle était vraiment particulière puisque nous avons eu le thème « Mettre Jésus au centre de nos vies ». Aussi, durant cette année, nous avons eu des moments particuliers lors de notre rencontre Impact Conférence des Femmes. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour chacune des femmes qui s'est déplacée, qui a payé le prix, parce que ce n'était pas évident. Il fallait payer le prix du transport, du logement, tout cela, et nous l'avons fait. Et nous bénissons le Seigneur de ce que réellement, nous avons été revêtus par un manteau de sagesse. Nous devons devenir des gagneurs d'âmes, parce que c'est un commandement de Dieu. C'est la priorité de Dieu. Dieu pleure pour les perdus, et qu'une âme sauvée rend le ciel et Dieu joyeux. Pourquoi les gens ne sont pas pressés d'aller? C'est parce qu'ils ne sont pas en feu. Parce que quand tu es en feu, tu vas comprendre que l'onction a besoin d'action. Les païens sont froids. Si tu es froid, tu vas leur transmettre quoi? On enlève le mensonge, on le déracine. Et c'est le témoignage de la parole, la permanence du témoignage. Jésus est grand, Jésus est fidèle. Pas vous fatiguer. Pasteur, ma foi n'est pas grande. On n'a pas besoin d'une grande foi. On dit une foi comme un grain de moutarde, ça suffit. Tu as honte de parler de lui. Mais tu parles affaires très bien, tu parles football très bien, tu parles de Barcelone très bien, tu parles de Real de Madrid très bien, tu parles affaires business très bien. Mais quand il s'agit de parler de Jésus-Christ, tu n'arrives pas et tu veux me dire que tu l'as dans ta vie. Après qu'ils aient arraché sa barbe, il était à l'agonie, il n'arrivait plus à marcher. Pilate leur a dit, livrez-le! La Bible dit, prirent une croix, ils donnèrent à Jésus de Nazareth. Porte sa croix. Maintenant, c'était l'étape suivante. Envoie Jésus de Nazareth. La plupart des prisonniers ne survivaient pas au coup, au fouet. Il a survécu au fouet par amour pour toi. Il a survécu au fouet. Là, tu dois me dire un bon amen. Gloire à Jésus. Je vous demandais de venir devant. Venez devant pour montrer votre détermination à saisir la main de Jésus-Christ. Venez devant, n'hésitez pas, venez devant, venez devant. Et je vais prier avec vous, je vais élever la voix avec vous. Venez devant, venez devant. Ce jour est le jour le plus important de toute votre vie. Ton sang a coulé, Seigneur. Et il n'a pas coulé en vain. Moi, j'ai un profond sentiment de gratitude pour l'année 2017. Une année riche, une année où l'Église a vécu beaucoup de bonnes choses. Où Dieu nous a vraiment fait grâce, le Seigneur nous a visités, l'Église a grandi, elle a continué de grandir. Une année où on a reçu des pasteurs, des généraux de Dieu qui nous ont édifiés de la part du Seigneur. Mais que dire? Des témoignages personnels, des témoignages individuels qui sont multiples de situations désespérées que Dieu a changé. Et le sentiment, le sentiment que je ressens, c'est un sentiment de gratitude. Un témoignage concret de ce que Dieu a fait dans ma vie en 2017. Une retraite qui m'aura marquée, ça a été la retraite des stars qui a eu lieu en France. Dieu m'attendait là parce que après cette retraite, j'avoue que j'ai eu un avant-retraite et un après-retraite. Dieu m'a réellement touchée ou Dieu m'a réellement délivrée. Je contrôlais beaucoup de choses par moi-même et il m'a juste appris à lâcher prise, à réellement lui remettre ma vie entre ses mains, à réellement le laisser prendre le contrôle de ma vie. J'étais passé par un temps assez compliqué, un temps assez difficile où je passais de maison en maison et je n'avais pas d'endroit où vivre, je n'avais pas mon chez moi. J'ai prié, j'ai dit « Seigneur, tu es mon père, est-ce que tu peux me donner quelque part où vivre ?» Au mois de février 2017, le Seigneur a répondu à ma prière et il m'a donné un très bel appartement où je remets la gloire à Dieu vraiment pour cela parce que Dieu est fidèle. Une chose qu'il a fait
pour moi durant cette année, c'est me donner la grâce de pouvoir servir au sein de l'église ICC. En une conversation, il m'a dirigé vers un département. Je remercie particulièrement le Seigneur pour ma réussite, pour ma licence et pour le nouvel emploi qu'il a pu m'accorder. En novembre 2017, j'ai donné ma vie à Christ et quelques temps après, il a permis à ce que je puisse pardonner toute personne qui m'avait fait du mal et que moi aussi je puisse les pardonner. Et franchement, c'est une grande grâce qu'il a fait dans ma vie. Pourquoi ? Parce que depuis que voilà, j'ai su pardonner toute personne, toute chose qui avait été faite, je vois vraiment sa gloire dans ma vie. Je vois vraiment qu'il est puissant, c'est vraiment un Dieu puissant et qu'il agit de gloire en gloire dans ma vie. C'est vraiment waouh. 2017, c'était vraiment une année de challenge, une année où on soupirait. En fait, c'est aussi une année où j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2016. En fin 2016, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses en 2017. Et ce que j'ai compris en fait du Seigneur, c'est quoi ? C'est que le Seigneur, ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend juste du sacrifice, de la soif que tu as. Plus tu as une soif intense, plus tu donnes beaucoup à Dieu, plus le Seigneur aussi va te lever parmi les grands. Alors c'est ce qu'il a fait dans ma vie. En fait, aucun mot ne peut vraiment décrire tout ce qu'il a fait. Tout ce que je demande pour 2018, c'est qu'il continue à me mener de gloire en gloire. Il y a une émergence dans la jeunesse, que la jeunesse soit embrasée pour lui. J'attends vraiment qu'il continue de faire grâce, qu'il puisse toucher tous les membres de ma famille, qu'ils donnent leur vie à Christ comme moi je l'ai donné, parce que c'est tellement une joie immense d'être là. Je m'attends à plus de profondeur avec le Saint-Esprit. Je m'attends à connaître Dieu encore de manière plus extraordinaire. Mon souhait, mon désir à moi pour l'année 2018, c'est ne plus être la personne que j'étais en 2017, mais atteindre une dimension avec le Seigneur où les gens, en fait, vous portez les fruits. Car la parole déclare, en fait, que demeurant moi et je demeure en vous et vous porterez des fruits. Tu connais ou pas ? Vois un peu la boxe, ça c'est une droite. Hypercute, c'est ça. Hypopiage. Donc l'application mobile et tablette MyICC a beaucoup de rubriques, donc notamment la rubrique, la rubrique cette semaine à ICC. Excuse-moi, on doit recommencer. Je n'ai rien entendu. venez. Je fais quoi ? Je vais pas vous donner des coups. Hein. Je fais quoi ? Hypopiage ! Hypopiage ! Hypopiage ! Hypopiage ! Le plus grand combat de l'histoire de la boxe poids lourd. Ils ont dit, vas-y, Bomaye. Maman a naïe. Tom, maintenant, Tom. Hippopiazo. Ah, Hippopiazo. Ah, mais toi, tu m'as embrouillé. Maître Dominique Première. Position, elle est bonne. Oh, j'ai l'impression que tu veux me couper mon nez comme ça. Oh là là, là je suis en train de patauger. Tu m'emmènes. Tu fais quoi ? Ce qu'il aime. C'est pas l'atmosphère, c'est l'ambiance.